La méditation de ce 12 juillet est intitulée « Une vision du criblage ». Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Ézéchiel 38, 19. J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Leur visage était pâle, révélant leur profonde anxiété et leurs luttes intérieures. Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté. De grosses gouttes de sueur perlaient à leur front. Les mauvais anges s'empressaient autour d'eux, les plongeant dans les ténèbres pour leur cacher Jésus, afin que leurs yeux étant attirés par les ténèbres, ils puissent les amener à perdre confiance et à murmurer contre lui. Leur seule sécurité était de diriger leurs regards en haut. Les anges de Dieu avaient la garde de son peuple, et lorsque l'atmosphère empoisonnée des mauvais anges entourait ceux qui étaient dans l'angoisse, ils battaient constamment des ailes pour dissiper les épaisses ténèbres. Les croyants, continuant à supplier le Seigneur, parfois un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager. Leur visage en était illuminé. J'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre d'intercession. Ils semblaient indifférents et négligents. J'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toute leur force pour résister. Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les perdis de vue. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Mon attention fut alors attirée par le groupe que j'avais vu, qui était terriblement criblé. Le nombre des anges gardiens qui les entouraient était doublé, et ils étaient armés de la tête aux pieds. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Je demandai ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit « C'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. » Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Ézéchiel 38, 19. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.